industries d'armement du monde entier pour tester des armes et des bombes sur la population palestinienne. Des armes testées sur des cibles vivantes. Mais il se trouve que l'agresseur, l'auteur de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, sont le fait d'une entité qui sort de l'ordinaire et qui ne relève pas de la justice ordinaire. Israël, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, connue pour avoir battu le record historique de l'État qui a violé le plus de résolutions de l'ONU, qui a volé tout un pays à ses habitants originels, qui les a enfermés dans des bantoustans emmurés, où ils les massacrent régulièrement, dans l'impunité la plus totale, voire avec la complicité active des démocraties occidentales, qui poussent l'outrecuidance jusqu'à lui apporter des aides financières, en plus d'empêcher quiconque de le dénoncer, et encore moins de le condamner. Le 25 juillet 2014, le ministre palestinien de la Justice et le procureur général de Gaza déposent plainte auprès de la CPI contre l'armée israélienne pour crimes de guerre. Le professeur Christophe Oberlin déclare que le dossier de cette plainte a été soigneusement étudié dans ses moindres détails par des spécialistes chevronnés du droit international et que 130 professeurs de droit des quatre coins du monde ont confirmé sa recevabilité auprès de la Cour pénale internationale. Or, comme il fallait s'y attendre de toutes les façons, pour qu'il connaît la conformation de l'autorité palestinienne et ses bonnes dispositions, entre guillemets, à l'endroit de son partenaire, entre guillemets, israélien, le 5 août 2014, M. Riyad al-Maliki, ministre des Affaires étrangères de Palestine, se fait recevoir par Mme Fatou Bensouda, procureure auprès de ces pays, et la non-recevabilité de la plainte est prononcée par celle-ci au prétexte que la Palestine n'est pas un État faisant partie du statut de Rome. Plié, emballé, circulé, il n'y a rien à voir. Il n'était pas envisageable, qu'Israël puisse être jugé pour crime de guerre. Totalement exclu pour qui connaît un tant soit peu comment ça se passe chez McDonald's. Le professeur Christophe Oberlin a refusé cet état de fait. Il vient de commettre un texte d'une rare vigueur contre cette connivence chafouine des faux frères que sont certains dirigeants de l'autorité palestinienne. Ardent défenseur de la cause palestinienne, auteur du livre bouleversant Chronique de Gaza, Christophe Oberlin est un chirurgien de haute volée. Il a conduit des missions de chirurgie réparatrice des paralysies auprès des blessés palestiniens depuis décembre 2001. Les Palestiniens le connaissent et l'estiment comme un des plus remarquables militants de leur cause. Son dévouement est tel qu'il est difficile de l'imaginer seulement. Nous avons entendu dire par un de ses confrères que sa carrière s'en est gravement ressentie. On ne va pas à l'encontre du sionisme impunément. Pour les lobbies sionistes de France, un tel exemple doit être lourdement réprimé, cela va de soi. Le professeur Oberlin a donc fortement condamné ce retrait de cette plainte et son irrecevabilité, il affirme que ce jour est un jour de deuil supplémentaire pour les Palestiniens. Voici quelques courts extraits de son texte. Je le cite. Dès la publication de la plainte, le président palestinien Mahmoud Abbas, le représentant de la Palestine à l'ONU et Mme Leila Shahid, ambassadrice de Palestine auprès de l'Union européenne, ont développé une stratégie en vue de l'annulation de la plainte. Et plus loin, il dit, je le cite, « Ces pressions sur la Cour pénale internationale aboutissant à l'annulation de la plainte étaient malheureusement prévisibles. Déjà, à la suite de la guerre de l'hiver 2008-2009, M. Abbas avait dépêché le même M. al-Maliki auprès du procureur de la Cour aboutissant à l'annulation de la procédure de plainte en cours. » Ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui, dit-il, qui sont à la manœuvre. Fin de citation. Ce brûlot qu'il a publié n'a quasiment été relayé par aucun journal français. Blackout intégral, un grand blanc. De la même manière que rares, très rares, sont les journaux qui ont fait état du retrait de la plainte et de sa non-recevabilité. Il n'est pas question de faire de la pub à un tel scandale, n'est-ce pas? Le professeur Oberlin est avec nous aujourd'hui pour en parler, ainsi que maître Gilles Devers, spécialiste du droit relatif aux pratiques de soins, militant particulièrement actif, lui aussi,
pour la cause palestinienne, il est connu du grand public depuis qu'il avait initié en 2009 un collectif d'avocats dont il est le porte-parole. Ce collectif avait déposé une requête en justice auprès de la CPI pour crime de guerre contre Israël après l'agression israélienne de 2008-2009. Aujourd'hui, mondialisation Canada, dernier crime à Gaza, le crime de haute trahison. Huffington Post. La CPI se déclare incompétente sur Gaza. La Palestine n'est pas signataire du statut de Rome. Et enfin, Palestine Solidarité, concernant le retrait de la plainte déposée récemment au CPI. Mais avant de recevoir nos invités, nous allons visionner ensemble une vidéo filmée par des soldats israéliens au moment où ils visaient des habitations et les réduisaient en poussière. Vous les verrez viser posément, regarder leur cible depuis leur écran, puis l'exploser littéralement en hurlant de joie, comme dans une PlayStation, comme s'ils ne venaient pas d'exterminer des êtres humains de façon indistincte. Ces images sont celles de crimes de guerre, d'une façon qui ne peut être déniée par quiconque d'honnête. Regardons. יאללה, צוק איתן 2014! שלום גם אותי, אחי! גם אני פה, אני אשתי. בנט, תגידי מתי! 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 בנט, תגידי איזה גדול! פי... צוק איתן 2014! איזה מטורף! טוב חומר נפץ! שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד! אין פיצוץ. בעצם זה מגדיל מים. בום! הלאה, וכתי! הוא דן! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תחנות דרך רוח, כאן נגרור, קבלו פסל של איתן גינור. על המחלקה אחת האגדית, 80 קילו חומר נפץ, על הבלגן, היה. 5, 4, 3, 2, 1.
Ce document, cette vidéo est un document exceptionnel. Il ne fait aucun doute que dans les instants qui suivent, il va être retiré de YouTube. Et il ne fait aucun doute que les gens vont, que ces soldats vont être sanctionnés et que l'attitude d'Israël sur ce document va être sans ambiguïté. Ils vont dire c'est un montage, etc. Je vous recommande de l'enregistrer et de le garder. Merci au professeur Christophe Oberlin et à Maître Devers d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Christophe Oberlin, selon vous, comment s'est opéré le retrait ou la non-recevabilité de cette plainte? Alors, bonjour Jamal, votre introduction est impressionnante. Permettez-moi de faire juste deux réflexions à la suite de ce reportage gravissime. La première, vous voyez, j'étais à Gaza au moment de la guerre de 2008-2009 sous les bombardements, et c'est à Gaza que j'ai appris que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, venait de faire citoyen d'honneur de la ville de Paris le soldat Shalit. Et le soldat Shalit, eh bien, c'est celui que, à peu de choses près, on entend dans votre reportage, c'est-à-dire qu'il était tankiste au poste de combat dans un tank de l'armée israélienne. Donc c'est ce genre de personnage que M. Delanoë a fait citoyen d'honneur de notre belle ville de Paris. La deuxième réflexion que je me fais aussi, et on insiste assez peu en général là-dessus, c'est qu'une jeunesse qui est appelée à commettre des crimes aussi épouvantables, eh bien, ce sont quand même des êtres humains, et un très grand nombre sont dans la dépression. Vous savez, 30% aujourd'hui des soldats américains qui reviennent d'Irak sont atteints de ce syndrome de stress dit post-traumatique. Ils tuent parfois père et mère, se suicident. Et donc, on peut penser que la population juive israélienne, je dis bien juive israélienne, car il n'y a que 60% de la population israélienne qui est juive, eh bien, on peut penser qu'une grande partie de sa jeunesse est complètement désorientée. Oui, oui. Oui. Alors, sur cette plainte, eh bien, je crois que Maître Gilles Devers, qui est avec nous, répondra bien mieux que je ne peux le faire. Disons que nous avons travaillé la main dans la main, moi comme médecin habitué à traiter les patients de Gaza. Vous savez qu'un bon médecin, eh bien, il pense toujours à la prévention. Je ne vais pas passer toute ma vie avec mes amis chirurgiens de Gaza à opérer des blessés, des enfants, des handicapés auxquels nous pouvons apporter quelques soins, mais qui ne seront plus jamais comme avant. Donc il est clair que l'heure de la prévention a sonné depuis bien longtemps, et Gilles Devers s'en occupe en particulier. Restez avec nous, professeur. Maître Gilles Devers, merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'il y a eu un cas de non-recevabilité ou est-ce qu'il y a eu retrait de la plainte? Bah, écoutez, le problème est que ce sont des affaires d'importance et qu'on est obligé de lire entre les lignes des communiqués qui ressemblent vraiment de la pure langue de bois. En fait, il est tout à fait clair qu'il y a eu une démarche du ministre des Affaires étrangères pour venir en catimini à La Haye pour enrober de sauce juridique ce qui est purement et simplement un abandon de la procédure. Voilà, donc en fait, il y a un habillage, on peut un maquillage, on peut lui donner diverses formes, mais il ne s'est déplacé là-bas que pour tuer cette procédure, et je pense que c'est absolument incontestable. C'est-à-dire que, plutôt que de dire que c'est l'autorité palestinienne qui a retiré cette plainte, donc ils ont trouvé ce petit prétexte procéduriel de pure forme pour... Écoutez, monsieur, franchement, le professeur Oberlin évoque notre volonté de prémunir et donc d'engager enfin le vrai combat contre l'impunité. Donc moi, je veux d'abord dire que
On a là actuellement un grave incident de procédure, mais on est en train de s'organiser pour le dépasser et pour faire revenir cette affaire devant la Cour, parce que ces crimes ne doivent pas venir impunis, ne peuvent pas rester impunis. On parlait de 2008-2009, cette fameuse opération plomb durci. Je suis au regret de dire que si on avait pu faire notre action en 2008-2009 et qu'une enquête était ouverte, eh ben, il n'y aurait pas eu la suite que l'on connaît. Donc il faut absolument s'organiser pour l'avenir. Mais maintenant, ça n'empêche pas de voir ce qui s'est passé. La procédure qui a été faite était, n'en ayez aucun doute, totalement recevable. C'est-à-dire que nous avons passé l'âge de faire de l'agitation, surtout quand on agit au nom de personnages aussi éminents que sont le ministre de la Justice de l'État de Palestine, du gouvernement d'Union, et le procureur général de Gaza. Et que ces deux personnages, ces deux grandes autorités, se trouvent au moment où ils donnent le mandat dans les bombardements, sous des zones de protection, vu que dans les premiers bombardements faits par l'État d'Israël, ce sont les bâtiments officiels qui sont touchés. Donc ils ont eu le temps de récupérer un tampon en pensant que ça leur serait utile, vu qu'évidemment on avait anticipé que de tels événements puissent avoir lieu. Et le ministre de la Justice, depuis une cache où il devait rester protégé, a pu nous adresser un mandat avec le tampon State of Palestine, Minister of Justice. Donc c'est une action qui était entièrement recevable, sans faire un cours de procédure. Disons que en 2008-2009, la déclaration de compétence avait été faite par le ministre de la Justice. Notre plainte avec une nouvelle déclaration de compétence a été faite cette année par le ministère de la Justice. Donc tout ceci était entièrement valable. Après, ben, il y a une volonté d'étouffer cette affaire, comme si on pouvait imaginer, après ce qu'on a vu, que ça en reste là. Alors quoi qu'il en soit, moi j'encourage à l'optimisme, parce que nous sommes dans l'affrontement juridique. Eux, là-bas, connaissent ce que c'est la résistance et font notre admiration. Nous, nous sommes dans l'action juridique et je peux vous dire que la procédure reprendra, on s'en occupe. Je fais remarquer que selon la lettre du professeur Oberlin, 130 professeurs de droit ont affirmé que cette plainte était recevable. Mais oui, mais bon, vous savez, si le professeur Oberlin vous parle de chirurgie, on va dire, mais tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, je peux vous parler de procédure et vous direz, c'est extrêmement compliqué. Mais au bout d'un moment, c'est faux. C'est pas vrai que c'est compliqué. Il y a des choses qui sont simples. Pour aller à la Cour pénale internationale, il faut en principe avoir ratifié le traité. Alors, est-ce que la Palestine a ratifié le traité? Non, elle ne l'a pas fait pour des choix qui la regardent. Donc, ça, c'est clair, net et précis. J'espère qu'elle va bientôt le faire, mais on a encore à nouveau que des promesses. Mais le statut prévoit une autre possibilité alternative, c'est-à-dire qu'on avait prévu, quand on crée la Cour pénale internationale, qu'on se retrouverait avec des situations où on a des États qui sont pas du tout en état de fonctionnement, et donc il y a la possibilité de faire une démarche simple, c'est-à-dire le gouvernement, par un de ses ministres, saisit la Cour pour lui déclarer sa compétence et s'engager à coopérer avec la Cour. C'est ce qu'on avait fait en 2008-2009, c'est ce qu'on a fait maintenant en 2014, avec la grande différence, c'est que entre-temps, cette procédure qui était novatrice quand on l'a fait en 2008-2009, elle a depuis été utilisée par d'autres, notamment la Côte d'Ivoire et notamment l'Ukraine. Donc ce qui est irrecevable pour la Palestine, irrecevable pour l'Ukraine et pour la Côte d'Ivoire, tout ça parce que la Cour pénale internationale est en train de s'enfermer comme étant la cour d'un clan qui est le clan des puissants. Donc moi je lance un avertissement très solennel à Madame Bensouda, qui est la procureure générale près de la Cour pénale internationale. Si elle n'ouvre pas la porte à la justice, il en sera fini de la Cour pénale internationale. Il va y avoir un mouvement de rejet dans l'ensemble du monde en disant cette cour n'est qu'une cour qui est l'annexe du Conseil de sécurité, qui est l'annexe de la violation du droit, on n'en veut plus. Restez avec nous, maître, nous allons revenir sur ces points techniques, si je peux dire. Professeur Oberlin, généralement, quand on parle des agressions multiples et diverses contre Gaza, on retient surtout le nombre de morts. Or, le nombre de blessés qui est relativement très élevé, souvent, comme cette fois-ci, à environ 9000, on les passe en perte et profit, on n'en parle plus. Vous, en tant que médecin, si vous nous en parliez, que deviennent ces blessés? Sont-ils lourdement handicapés? Peuvent-ils retrouver une vie normale? Quelle est leur situation?
y a des blessés de différentes natures. D'abord, les armes qui sont utilisées sont réellement faites pour tuer les personnes. 80% des personnes, des blessés qui sont amenés à l'hôpital sont morts à l'arrivée. Donc c'est vraiment fait pour tuer des personnes, ce ne sont pas des dégâts collatéraux, ce sont des armes qui sont testées sur ce qu'on appelle les tissus mous, c'est-à-dire sur le corps humain, pour y faire le maximum de dégâts. Ce ne sont pas des armes qui sont faites pour souffler des bâtiments. Alors, ces blessés, un certain nombre restent très gravement handicapés à vie, et les plus gravement handicapés sont les paraplégiques, les tétraplégiques, les infirmes moteurs cérébraux, et en particulier, je pense à ceux qui étaient à l'hôpital de rééducation El Wafa. L'hôpital de rééducation El Wafa est un hôpital de très grande qualité avec tous les moyens modernes de la rééducation. Il a été bombardé pendant la guerre de 2008-2009, il y avait des trous d'un mètre de large dans les chambres des patients. Il a été bombardé au début de cette guerre et il a été entièrement rasé à la fin de la guerre. Donc c'est un crime contre l'humanité supplémentaire. Mais il y a là, il faut bien penser qu'il y a à Gaza des jeunes qui vont souffrir à vie des handicaps produits par ces guerres. Alors il y a énormément de travail secondaire à faire sur les survivants. Et je dois dire que je fais ça depuis 13 ans maintenant, trois fois par an. J'ai formé des chirurgiens palestiniens à toutes ces techniques. Mais bien entendu, toute cette chirurgie qu'on fait secondairement, eh bien, ce n'est pas du neuf. On ne redonne pas des fonctions normales à ces patients. Et c'est un véritable désastre de voir toute cette jeunesse qui est brisée à vie par ces actes innommables. Et est-ce qu'il y a des infrastructures de rééducation qui s'occupent de ces gens-là, qui leur accommodent des postes, accommodés, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce qu'il y a un suivi de ces blessés qui viennent s'amasser au fur et à mesure des agressions? Il y a un suivi, car contrairement à l'image qui est donnée souvent, eh bien la médecine et la chirurgie à Gaza sont de très haut niveau. J'ai assisté par exemple en novembre de l'année dernière au congrès chirurgie à Gaza, Surgery in Palestine, où 200 chirurgiens de Gaza, c'était sous siège, il n'y avait pas un seul étranger à part moi, 200 chirurgiens ont fait état des dernières avancées chirurgicales, qu'il s'agisse de chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle, qu'il s'agisse de transplantation rénale, qu'il s'agisse de chirurgie endoscopique. La chirurgie est d'un très bon niveau, la rééducation également. Il y a des spécialistes qui ont été formés dans le monde entier et il y a aujourd'hui des filières de formation qui ont été créées sous siège, à la fois en médecine et en spécialité. Autrement dit, les hommes et les femmes sont là pour faire tout ce travail. La seule chose qu'ils demandent, c'est d'avoir la paix. Oui. Vous nous parliez de l'hôpital El Wafa, un hôpital performant, disiez-vous, qui aurait été complètement rasé. Il n'a pas été reconstruit depuis ? Non, il a été entièrement rasé au cours de la guerre actuelle. Ah, d'accord, cette fois-ci. Complètement détruit, démoli. Complètement. Incroyable. Restez avec nous, monsieur le professeur. Maître Devers, pour en revenir à... Vous disiez que vous n'alliez pas laisser faire, vous n'alliez pas accepter le fait accompli. Pratiquement et concrètement, quel genre de mesures, quel genre de mission allez-vous mener pour faire aboutir cette plainte? Écoutez, il y a diverses choses. Hein. Tout d'abord... on va réanimer le réseau des professeurs, vu qu'on a ce réseau de 130 professeurs de droit et puis une autre, toute l'école britannique avec 30 autres signatures en disant que la procédure était entièrement recevable. Et donc on va réanimer tout ça parce qu'il faut bien comprendre que le droit n'appartient pas au procureur et que quiconque qui est habitué à défendre des causes sait qu'une procédure ne s'arrête jamais dans le bureau d'un procureur. Donc il va falloir revenir là-dessus et encore une fois c'est la Cour pénale qui joue sa survie, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'à rester dans le discrédit et puis ça en sera fini et on tient tous à ce qu'il y ait une juridiction internationale qui soit performante. Donc notre point de vue est clair, ça va être de mobiliser pour que la procureure revienne sur son point de vue parce que ce qu'elle a fait n'est absolument pas acceptable. Elle utilise un argument qu'elle est la seule au monde à utiliser en disant que la déclaration de 2009 ne serait plus valable parce qu'en 2012 la Palestine est un État. Je m'excuse de vous dire qu'au point de vue du droit c'est n'importe quoi parce que la Palestine est un État depuis 1920. C'est un État, ça a été un État colonisé,
ça a été un État sous mandat, c'est un État sous territoire occupé, mais c'est un État à respecter la Palestine. Et donc, il y a une méconnaissance des réalités palestiniennes qui est sidérante. C'est des gens, je pense, qui n'ont aucune culture politique, aucune culture de l'histoire. C'est absolument aberrant de voir cela. La deuxième chose, c'est que j'ai le mandat du ministre de la Justice du gouvernement d'Union. C'est un mandat qui est toujours en cours, qui ne m'a pas été retiré. Nous sommes en contact régulièrement avec le ministre et avec le procureur général. Donc il y a une demande qui est très simple, et qui aurait dû être faite la semaine dernière par le ministre des Affaires étrangères. C'est que quand la procureure vous dit « Ah ben, la déclaration de compétence de 2009 n'est plus valable parce qu'en 2012 vous êtes un État », et ben qu'est-ce que fait n'importe qui? Il dit « Ben j'en fais une nouvelle en 2014, s'il vous manque que ça ». Une déclaration de compétence, c'est un acte de 3 lignes. Je vous l'ai dit, comme cela c'est très clair. Moi, ministre de la Justice ou ministre des Affaires étrangères, vu l'article 12.3 du statut, je déclare accepter la compétence de la Cour pour tous les crimes commis sur le territoire palestinien et mon pays s'engage à coopérer avec la Cour. Vous signez, vous donnez ça au greffe et la procédure est partie. Donc il est tout à fait clair qu'à la suite de notre procédure, et c'est également le troisième point, il y a maintenant un consensus que nous avons réussi à débloquer, c'est-à-dire que tous ceux qui ont suivi cette affaire ne doivent pas baisser les bras, bien au contraire, nous avons réussi à débloquer un processus qu'il y a maintenant un consensus et déclaré, hein, alors on va passer des déclarations aux actes, mais il y a déjà un consensus déclaré pour dire qu'il faut aller devant la Cour pénale internationale. Ceux qui ont toujours été en tête, qui est-ce que c'est? Est-ce que c'était le Fatah Ramallah ou appelé l'autorité palestinienne ou quel groupe que ce soit? Non. Dire cela, c'est travestir la réalité. Il faut le dire parce qu'il y avait une fausse information qui circulait ces jours-ci, qui était de dire, mais ça serait déjà fait, mais c'est le Hamas qui n'est pas d'accord. Ça, c'est injurier les faits. Nous travaillons avec les dirigeants de Gaza, qui sont des hommes politiques, qui ont la préoccupation pour une population de 1,8 million de personnes vivant dans la plus grande précarité. Certains sont des Hamas, d'autres ne le sont pas. Certains sont des militants, d'autres sont simplement des techniciens, c'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité politique. Tous, que ce soit au gouvernement, au ministère de la Justice, à la faculté de droit avec qui nous travaillons beaucoup, tous disent, nous demandons la protection de la Cour pénale internationale, et les dirigeants disent, nous demandons à ce que la Cour pénale internationale soit saisie. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Vous savez que dès qu'on parle du droit, on tombe vite dans la maladie du droit, qui est le juridisme, où on vous sort le quatrième alinéa de ceci, la petite virgule qui manque, et le petit comme cela. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il ne faut pas parler de l'arbre qui cache la forêt. La seule réalité, je vais vous dire, monsieur, elle est extrêmement simple. C'est qu'il existe un groupe de pays puissants, un groupe dominant, qui ne peut pas accepter autre chose que de dire le Hamas est un mouvement terroriste islamiste. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le mandat? Il ne m'est pas demandé de revendiquer, d'appeler à Dieu. Il m'a demandé d'appliquer le droit international et de saisir la justice. Ce qui fait que tout est bloqué, c'est que ce groupe qui est qualifié de terroriste demande à s'en remettre à la justice et à la justice des hommes pour faire avancer. Après, il y a les convictions religieuses, c'est un autre registre. C'est ça qui n'est pas entendable. Oui, mais maître, il y a... j'entends bien ce que vous dites. Mais si l'autorité palestinienne, qui est légalement, qu'on le veuille ou non, le représentant du peuple palestinien, si cette autorité palestinienne, dont on connaît les connivences avec Israël, refuse de demander à adhérer à ce statut de Rome, qu'est-ce qui va se passer? Si elle refuse, on a encore une possibilité, mais encore une fois, le mandat n'a pas été retiré, je peux refaire une déclaration au nom du ministre de la Justice. Donc il y a actuellement des discussions politiques en jeu, et on laisse cela en réserve. Mais j'ai le mandat de faire des actes, et je vais vous dire que je ne suis pas palestinien, j'ai beaucoup de respect pour les options politiques qui sont prises par les Palestiniens, mais je suis un avocat, je sais ce que c'est qu'un mandat donné à un avocat. Donc j'attends encore un peu, mais je n'attendrai pas trop longtemps, tant qu'on ne m'a pas retiré le mandat, vous pouvez être sûr du compte que les gens ne seront pas déçus quand vous me confiez votre défense. Donc ça, c'est une chose qui est très claire, c'est-à-dire que le ministre de la Justice est en capacité, à ce jour, de refaire une déclaration de compétence qui vise directement l'état du droit de 2014 jusqu'à ce que c'est escalé à Mansouda. On ne peut pas laisser l'impunité qui tombe parce qu'il manque un document de 3 pages. Et par ailleurs,
Je pense, et on a toujours vu ça, que l'autorité palestinienne, quelle qu'elle soit, est très sensible aux pressions, et que vous avez actuellement une pétition qui en 3 jours fait 30 000 signataires. Et on dit que les États occidentaux font pression, je pense que c'est tout à fait exact, donc on va lancer des démarches pour que tous les citoyens des pays européens fasse pression et aille bloquer les sites internet à force de faire des demandes au ministère des Affaires étrangères, à Président de la République, etc., en disant comment se fait-il, alors que vous êtes membre de la CPI, alors que vous appelez tous les jours au droit, droit de l'homme, droit de l'homisme, etc., que vous êtes en train de sanctionner un État parce que il voudrait rejoindre la CPI. Donc c'est une œuvre de longue haleine, vous savez, la procédure n'est pas simple. Moi je dis simplement une chose, c'est que notre grande chance que l'on a dans cette affaire, c'est que nous avons des outils juridiques que maintenant nous sommes en mesure d'utiliser, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas, maintenant on peut les utiliser, et que nous avons des dirigeants politiques de très haut rang qui ont un immense courage, qui sont vraiment des battants de la résistance à l'oppression, et avec cette alliance entre la technique du droit et le courage politique de ces dirigeants, nous avons la force pour arriver à nous faire entendre, et c'est un débat de longue haleine. Il peut être simplifié si l'autorité palestinienne prend ses responsabilités, s'il ne le prend pas, ça sera plus long, mais personne ne peut arrêter la force d'un peuple qui s'adresse à la justice. Professeur Oberlin, vous qui avez séjourné longtemps, qui vous êtes rendu souvent à Gaza, le Hamas pour l'opinion publique, savamment conditionné, est un mouvement terroriste. Qu'en est-il en fait? Est-ce qu'il représente vraiment cette population qu'il a élue, rappelons-le? Est-ce que réellement il utilise, comme le disent la plupart des médias, les populations civiles comme bouclier pour faire commettre, soi-disant, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre contre les populations? Alors écoutez, je crois que vraiment la diplomatie européenne s'est tirée une balle dans le pied il y a maintenant plus de 10 ans en suivant l'oukase de George Bush, Hamas terroriste. C'est une véritable bêtise. Pour donner une anecdote, pendant la guerre de 2008-2009, c'était finalement nous qui servions d'intermédiaire entre les autorités sanitaires de Gaza et le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères, tout simplement parce qu'il n'avait aucun contact, il n'avait même pas un numéro de téléphone. Donc qu'est-ce que c'est que cette diplomatie qui coupe tout contact avec une partie, et cette partie aujourd'hui, on le sait, elle représente plus ou moins 50% du vote électoral, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, et à la suite de l'agression actuelle, vraisemblablement encore plus. Alors on comprend aussi le jeu très nauséabond que joue l'autorité palestinienne. Gilles De Vert est un avocat, il vous a parlé en droit et c'est magnifique. Et d'ailleurs il a le ressort des juristes qui parfois ont perdu une bataille mais n'ont pas perdu la guerre. Si l'on regarde ça avec une distance un peu plus politique et historique, eh bien on voit qu'il y a une véritable connivence, et pas seulement sur ce dossier aujourd'hui extrêmement aigu, entre l'autorité palestinienne et Israël. Et finalement, l'espèce de ligne qui est donnée aux journalistes, qui est donnée aux politiques, je vous rappelle que les journalistes qui pénètrent à Gaza ne peuvent le faire qu'en passant par Israël, eh bien la ligne c'est au moins d'être anti-Hamas. Il faut se trouver aujourd'hui, l'ennemi du monde dit libre, c'est le musulman, donc c'est une position d'un racisme totalement inacceptable, et l'espèce de le musulman au sens le pire qu'il soit, eh bien c'est le Hamas. Alors je suis stupéfait de voir qu'il faut des événements parfois dramatiques pour que parfois on tende un micro pour savoir quel est véritablement le programme du Hamas. Il a fallu il y a 20 ans que M. Rabin en déporte 400 au Liban l'hiver dans la neige pour que enfin un média occidental pose des questions sur le programme du Hamas. Le Hamas est un parti politique depuis 2005, il a gagné les élections municipales, il a gagné les élections parlementaires, et aujourd'hui c'est Aziz Dueck qui est président, qui était président du Parlement, actuellement il est en prison en Israël, c'est Aziz Dueck qui devrait être à la place de M. Ablas sur le plan strictement légal si l'on suit les lois palestiniennes. Donc qu'est-ce que demande le Hamas? Il demande tout simplement que la loi soit appliquée aussi bien en interne qu'en externe. Est-ce que vous avez remarqué, monsieur le professeur,
cet éveil qu'on voit comme ça, qui est très visible, surtout sur les réseaux sociaux, un peu partout dans le monde, des gens qui bougent au sein des opinions publiques occidentales, des personnalités comme vous qui vont au charbon, comme s'ils ne craignaient plus cette pression insupportable dont vous savez quelque chose, de certains lobbies. Maintenant, non seulement il y a un éveil, mais il y a une réelle mobilisation sur le terrain pour le peuple palestinien. Alors c'est vrai, et ce mouvement on le sent depuis un certain temps, et on est d'autant plus déçus de la position de Monsieur Hollande, du président de la République, qui a fait des déclarations absolument scandaleuses, d'un autre âge. Il y a un véritable divorce aujourd'hui entre la population française et son président, qui n'est pas simplement sur la politique intérieure. Les gens aujourd'hui sont informés, comme vous le signalez, ils s'informent de plus en plus, et je dois dire que je ne pensais pas que nous allions assister au cours de ce mois de juillet à autant de crimes de guerre et surtout à autant de déclarations absolument indécentes de la part de nos dirigeants. Vous-même, professeur, même si la question peut paraître quelque peu gênante, avez-vous souffert dans votre carrière de vos prises de position en faveur du peuple palestinien ? Alors écoutez, ça, ce sont des choses qui n'ont vraiment aucune importance par rapport à l'enjeu auprès de nos amis palestiniens. Disons que la gratification que j'ai auprès de mes amis dépasse très largement les tout petits ennuis que j'ai pu avoir et qui n'en sont pas. Et au mois de septembre, j'attaquerai à nouveau sur ce thème, mais il n'est pas décent, alors qu'on n'a pas encore enterré les derniers enfants, de parler de ma propre personne. Merci, professeur Oberlin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ces éclairages. Maître Devers, un dernier mot. Quel projet avez-vous pour cette affaire à court terme? Comment envisagez-vous la suite des événements? On poursuivra sur plusieurs points. Le premier, c'est la discussion interne, parce que cette déclaration de compétence rectificative, elle doit être faite. La deuxième, c'est d'animer le réseau des professeurs, vu qu'il n'est pas possible d'insulter à ce point les règles de droit. C'est exact, ce sont les Palestiniens les premières victimes, mais de telles violations du droit concernent la communauté entière. Le troisième point, il y a une pétition qui circule, il y en a plusieurs, elles sont toutes excellentes. Il faut signer, car les dirigeants politiques de Palestine et d'Europe doivent comprendre qu'on ne peut pas accepter dans la société telle qu'elle est l'impunité de ces criminels, et ce que la vidéo que vous montrez tout à l'heure est absolument terrifiante. On voit également une attaque soi-disant contre les tunnels, on a vu des immeubles, des quartiers entiers d'immeubles de 10 étages qui ont été soufflés, donc si ça ne peut pas faire la différence d'un tunnel et d'un quartier d'immeuble d'habitation, c'est grave. Donc on poursuit cette mobilisation. Le quatrième point, il faut une mobilisation qui ne concerne que nous, Européens, qui est d'attaquer d'abord par messager, également on pourra le faire en recourant en justice, les dirigeants des pays qui commettent une faute très grave, car ils sont membres de la CPI et ils font pression pour que la Palestine ne rejoigne pas la CPI. Donc ça, c'est pas une affaire palestinienne, c'est une affaire franco-française, anglo-britannique pour ce qui les concerne, et ainsi de suite. Et on va mettre des plans de bataille qui seront disponibles pour tout le monde. Voilà. Donc il y a tout un mouvement qui va se poursuivre, il y a des explications, il y a du travail de conviction, il y a des publications qui vont avoir lieu, mais on y arrivera, et vous savez, prenez l'histoire des grands mouvements, on se souvient des victoires qui ensuite ont marqué l'événement. Dans la mesure où les juristes travaillent avec les politiques, ça peut avoir des résultats qui sont très favorables, mais on oublie très vite les micro-événements qui ont été des prises de position partielles, des prises de pouvoir, des abus de pouvoir, et tout ça, ça passera dans les poubelles de l'histoire par rapport à ce peuple palestinien qui incarne la résistance à l'oppression. Maître Gilles Devers, merci pour ces brillantes explications que vous nous avez données, en espérant vous revoir, ainsi que monsieur le professeur, au cours des émissions prochaines sur Gaza. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Fallaoun, à demain.